Je m'appelle Thomas Portron, je suis maraîcher à l'entreprise Tomate et Potiron sur Sèvres-Anxaumont depuis 2015. Je cultive une cinquantaine de légumes différents à l'année, des légumes de saison. Le jardinage à la base pour moi était une passion et je me suis dit comment concilier ma passion et un métier, et donc le maraîchage est devenu assez naturellement via des formations et des stages chez des maraîchers. J'ai fait des formations qui m'ont permis ensuite de m'installer en maraîchage. Le bio pour moi c'était une évidence. Pour nourrir les autres personnes, je voyais pas d'autre alternative que le maraîchage bio. Moi, je ne suis pas issu du monde agricole et donc trouver des terres quand on n'est pas issu du monde agricole, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et puis, il y a une grosse pression foncière aussi aux abords des grandes villes. Donc trouver des terres qui soient aussi simples pour la commercialisation, c'est pas évident. Et pour moi, ça n'a pas été très simple. L'accès au foncier est compliqué et les démarches administratives pour se lancer qui peuvent être un poids la première année. Ouais. Là où j'ai eu la grande chance, c'est que je connaissais l'agriculteur qui était sur la commune. J'ai discuté avec lui et puis il a été très, très enclin à pouvoir me proposer des terres que je puisse cultiver très rapidement. Et ça s'est fait comme ça assez naturellement grâce à leur générosité. Les consommateurs, ce qu'ils recherchent actuellement, c'est de la transformation. On commence à proposer des soupes et des coulis qu'on a fait avec les légumes d'été. Dans cette voie-là, il y a une perspective d'évolution qui est assez intéressante, proposer de la ratatouille, d'autres types de coulis, des tartinades, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de nouveau? Déjà, arriver à travailler en commun avec mon associé. On va arriver à produire plus de légumes, à se dégager du temps, pouvoir aussi avoir une autre vie que juste le maraîchage, parce que c'est un métier qui est hyper passionnant, mais qui est hyper prenant, et du coup, on n'arrive pas à se dégager de temps, et il faut être présent sur toute l'année, parce qu'on vend des légumes sur toute l'année. Le fait d'être à deux, ça va pouvoir nous permettre d'avoir des moments de repos pour un ou pour l'autre.